tous les jours les transports en commun. Monsieur, je n'ai pas de voiture. Ouais. Et enfin, j'ai ma voiture personnelle. Ouais. Je prends les transports. Vous prenez quoi comme ligne? Oui, je prends la ligne. Quelle ligne? Oui, vous ne savez pas quelle ligne vous prenez, très bien, ah, madame. Oui. Ah, en l'occurrence, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez la ligne 13 et qu'il fait 32 degrés et que vous avez un médecin sur un plateau 13, télé... Non, mais je vous le dis parce que moi, je la prends, la ligne 13. Et qu'il fait 32 degrés et qu'un médecin vous dit, pour des raisons de santé, portez le masque. J'hésite, les mots me manquent. Mais je veux dire, à un moment, on est dans les médecins de Molière, si vous voulez, madame. Ce masque, on l'a porté pendant des années. On nous l'a imposé dans les transports en commun. Aujourd'hui, il revient. Il n'y a pas de boom à l'hôpital. On parle d'une hausse des cas. On n'arrête pas de dire que ce ne sont pas les cas qu'il faut regarder, mais bien la hausse à l'hôpital et les réanimations, en l'occurrence. Et si vous voulez, moi, je trouve ça indécent de nous parler de ça, en plus, en plein été. Et encore une fois, et là, je vais vous rejoindre toutes les deux, enfin, j'imagine, nous avons le vaccin. Donc, les personnes qui veulent se protéger se protègent, très bien. Les autres prennent leur choix en responsabilité. Fin du jeu. On arrête ces mesures. Oui, mais en fait, ça, c'est théorique.